Salut les poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a France Télévisions qui m'a contacté il y a quelques mois et en fait ils ont décidé de faire un petit reportage sur les francophones en Turquie. On va faire un petit tour du Bosphore, ça risque d'être bien sympa, surtout avec le temps, on l'a kiffé aujourd'hui. Donc voilà, je vous emmène avec moi, je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, vous allez être dans les coulisses tout simplement d'un reportage, d'un documentaire qui sera diffusé sur France Télé. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ça risque d'être sympa. Je voulais également en profiter tout simplement pour vous remercier. Voilà, vous êtes toujours là, après tant d'années, vous me suivez toujours, vous me laissez toujours des commentaires super sympas, des messages sur Instagram. J'essaye de répondre à la plupart des gens. Par contre, voilà, je reçois beaucoup de messages, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je voulais également profiter de cette vidéo pour remercier le sponsor de la chaîne, Olafly. Donc c'est une société tout simplement qui propose des eSIM. Ce sont des cartes SIM dématérialisées. Donc c'est-à-dire que vous pouvez accéder à Internet en illimité partout où vous voyagez. Si vous êtes par exemple en Turquie comme moi ou dans d'autres pays, vous pouvez profiter de Olafly pour tout simplement avoir Internet en illimité sans avoir à demander à un opérateur à l'aéroport, voilà, je voudrais une carte SIM, je voudrais avoir Internet dans le pays. Là, tout est fait à la maison en 3 clics. Vous pouvez tout simplement avoir Internet en illimité dès que vous atterrissez dans le pays concerné, tout simplement. Pour moi, c'est un indispensable si vous voyagez pour avoir Internet partout en illimité. Merci Olafly de supporter la chaîne. Il y en a un qui veut faire un peu le contre-champ de la scène. Il y a tout marche avec nous. Ça peut être sympa de découvrir, ouais, c'est vrai. Okay. Tu dis le truc et après tu tournes vers nous. Ok, ça marche. Donc là, moi c'est parti. Salut les poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'équipe de tournage de Méditerranéo. Voilà, on se retrouve au niveau de la rive du Bosphore et on va suivre les coulisses de ce reportage. A tout de suite. On y va, c'est parti, je vous laisse passer. Toute l'équipe qui passe. Voilà. Et à mon tour aussi. Donc ça y est, on monte dans le bateau. Donc je suis avec l'équipe, derrière vous pouvez voir, il y a Maxime, son caméraman. On va faire la traversée du Bosphore habituel, rejoindre le côté Asie, là on est côté Europe. Hop. On va à l'extérieur plutôt. Ouais, c'est quand même plus sympa, non? Là en haut. En haut, on aura peut-être une meilleure vue. On va voir, on va tenter des trucs. Donc là, il y a le pont des pêcheurs, le pont de Galata. Donc là, c'est la partie vraiment ultra touristique d'Istanbul. Donc là, tu as le pont de Galata, donc le pont des pêcheurs, comme je l'appelle. Et donc bah, là, tu as le marché aux épices, donc c'est un marché couvert. Et c'est le marché aux épices parce que quand tu rentres, tu as une odeur magnifique qui te vient au nez. Après, derrière, tu as la mosquée bleue, tu as la mosquée Sainte-Sophie, tu as le Grand Bazar. Donc le Grand Bazar, c'est un peu le premier centre commercial du monde. C'est le premier marché couvert, on va dire, du monde. Et donc, bah, tu peux te balader, tu peux te perdre dans les rues. Un vrai labyrinthe, donc il faut faire attention quand même. Parce que la première fois que je suis allé, je me suis perdu. Mais vraiment, littéralement, j'avais pas Internet. Et donc, bah, je me suis dit, ok, comment je sors de là? J'ai marché tout droit. Et à un moment donné, bon, bah, je suis sorti de là. Là, c'est la tour Galata. Voilà, c'est la tour de guet, c'est la tour la plus ancienne, là, c'était la plus haute tour à l'époque qui permettait de vérifier au niveau du Bosphore et au niveau de la terre les attaques, les éventuelles attaques pendant la période du sultanat. Tu peux me faire un peu un récap, on va dire historique rapide de ce qu'on peut voir quand on est sur le Bosphore. Ok. Dire, tu vois, un truc du genre, bah, c'est aussi l'occasion de voir tous ces points de vue différemment. Ok. Et puis là, tu peux me dire, il y a ça, quoi, tu vois. Ok. Ok. Bah donc là, quand vous prenez le bateau. On va attendre de passer sous le pont parce qu'on va avoir un petit avec la lumière. Ouais. Donc là, voilà, bah, là, on est en plein tournage. Voilà. On passe sous le pont. Bon, bah voilà, vous voyez, caméra, Maxime. Et donc bah, là, j'enchaîne. Je coupe un peu parce qu'après,
Le reportage va durer trop longtemps. Donc vas-y, en gros le Bosphore c'est quoi par rapport à tous ces bâtiments? Ouais, donc là on est, quand on est sur le bateau, là c'est on est sur le bateau des locaux. Voilà, c'est vraiment les gens qui travaillent, qui vivent du côté Asie, côté Europe, qui traversent pour aller travailler, etc. C'est vraiment leur moyen de transport comme on pourrait prendre le bus en France. Voilà, c'est vraiment, mais à part avec un paysage magnifique. Si vous avez une ou deux journées à Istanbul, c'est cet endroit-là qu'il faut voir, c'est le côté historique. Et pour les locaux, c'est juste un paysage magnifique. Ils vont rarement du côté Europe touristique. T'as pris pas mal de plans là ? Ah, c'est vraiment immersion, inception là. Les caméras partout, les drapeaux, on va avoir tous les mêmes plans. Téléphone, caméra. Donc là voilà, vous voyez, il y a toute l'équipe qui travaille derrière. Je vais vous les filmer. Voilà. Donc là, il y a Lou, mon caméraman. Là, il y a le caméraman de Maxime Méditerranéo. Et là, il y a Maxime, le journaliste. Donc Maxime fait des vidéos sur son téléphone. Là, il y a le gros matos, là c'est vraiment c'est la télé. Là il y a le matos quand même qui est sympa de Lou. Et puis il y a moi qui a ma caméra. Au début on s'est posé, donc j'étais au niveau de l'embarcadère pour les bateaux. C'est là où on s'est donné rendez-vous avec Maxime. Et donc on a fait un petit brief, expliqué un petit peu ce qu'on veut faire, ce que lui veut avoir dans le reportage. C'était vraiment le début, l'introduction, on va dire. Voilà, il voulait vraiment insister sur le côté Bosphore. Quelle est la place du Bosphore ici à Istanbul? C'est quoi le bateau en fait pour l'Istanbuliote? C'est pas qu'un truc touristique quoi le bateau? Ah non, le bateau, là le bateau n'est pas du tout touristique. C'est comme un bus qu'on pourrait prendre en France. Les gens passent de la rive asiatique à la rive européenne pour aller au boulot, pour voir de la famille, etc. C'est comme si on prenait vraiment un bus en France, quoi. C'est un moyen de transport en commun habituel pour les Turcs, quoi. Et pour moi, maintenant, c'est devenu aussi un moyen de transport normal, quoi. C'est pas trop cher? Non, c'est pas cher du tout. En moyenne, pour une traversée Asie-Europe, c'est à peu près 17-20 liras. Après, je sais pas, en euros, ça change tellement. Je dirais c'est moins d'un euro en tout cas. Ouais, c'est moins d'un euro la traversée. Là je vais continuer, ouais. Je vais descendre un petit peu. Ça y est, on a fait un petit tournage sympa. Donc on a expliqué un petit peu ce qu'était le Bosphore pour les locaux, quelle était la place du Bosphore pour les... Oula, ça a cramé là. Le Bosphore est vraiment au milieu de la ville. Il sépare vraiment la ville en deux, le côté Asie et le côté Europe. À ma connaissance, je pense que Istanbul, c'est la seule ville au monde qui est sur deux continents. Il y a des pays qui sont sur deux continents, mais une ville coupée en deux avec deux rives, une rive asiatique, une ville européenne, je pense que c'est une première. Voilà, je pense qu'il n'y en a qu'une seule et c'est Istanbul, là on est actuellement. L'émission sera sur YouTube aussi, disponible tout le temps. Le reportage, plein pot. Et disponible tout le temps, pas comme les replays qu'un jour. Non, c'est une chaîne YouTube qui est plutôt pas mal. Ok, donc là, comme ça, on pourra mettre le lien. Donc moi, je pense, dans la conclusion, je vais dire, l'émission est diffusée, vous pouvez avoir le lien sur YouTube, ça, je pourrais le dire. On pourrait mettre le nom de ma boîte de prod, peut-être plus de followers Instagram. Voilà, et ma photo pour Twitter. Il n'y a pas de t-shirt? Et des ports comme ça, il y en a plusieurs, comment ça se passe? Il y en a un petit peu tout le long du bord du Bosphore, il y a des petites stations, là il y a Kadıköy, ensuite un petit peu plus haut il y a Üsküdar, plus près du pont, de l'autre côté il y a Beşiktaş, il y a l'endroit où on vient, il y avait Karaköy et Minönü près de la zone touristique. Donc il y a 3-4 stations du côté Europe et 2-3 stations du côté Asie qui permettent de rejoindre la rive opposée. Et pourquoi les gens font ça?
Bah, pour aller au travail, pour voir des amis, pour traverser la ville tout simplement. Mais la plupart du temps, c'est pour aller au travail. Au matin, quand tu viens ici, bah, tout le monde vient pour... Bah, voilà. En fait, il y a beaucoup de locaux, il y a beaucoup de Turcs qui vivent du côté Asie. C'est un petit peu plus abordable, c'est un peu plus traditionnel. Voilà, c'est vraiment le côté turc, c'est là où je vis, pour rejoindre le côté Europe qui est plus business, plus touristique. Et c'est là où il y a un peu plus de travail tout simplement. Donc bah, les gens... utilisent le ferry comme un bus pour aller travailler, pour rejoindre l'autre rive. Et c'est moins galère qu'en voiture? Ouais, c'est plus cool, t'as une meilleure vue, ça va un peu plus vite, parce que bah, avec les embouteillages d'Istanbul, c'est pas évident. Donc c'est plus tranquille, plus chill, et c'est le Bosphore. C'est, ouais, pour aller au travail, il y a quand même d'autres... c'est quand même bien sympa de pouvoir traverser un cours d'eau pour rejoindre le travail. Donc ouais, les gens privilégient le ferry, qui est direct pour rejoindre le côté Europe. Ouais. Le reportage passe très bien, Maxime, son caméraman sont très sympas, donc tout se passe vraiment très bien, souriant, il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, des gens qui prennent des photos, qui se disent mais c'est qui ces personnes-là qui ont énormément de caméras. Si je compte bien, il y a la caméra de France Télé, il y a ma caméra là avec laquelle je filme, il y a la caméra de mon caméraman Lou, et il y a également un ami à lui qui était venu donc pour nous épauler, voilà, à Istanbul. Donc là, on est vraiment une grosse équipe, je vous cache rien. Voilà, vous avez pu voir dans tous les cas avec les backstage que il y a une grosse équipe derrière. J'espère que la vidéo vous plaît. Pour moi, c'est le plus important. Au moins, vous voyez vraiment dans les coulisses, les backstage, d'une vidéo et d'un reportage qui a lieu pour France Télé. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également, il y a Instagram, il y a TikTok. Voilà, je vous dis tchuss les poulets! Goods. See you later. Bye bye. Thank you very much.